Bonjour et bonne année pour ceux qui n'ont pas été sur ma chaîne principale. Oui, car je l'ai déjà souhaité. Du coup, je le souhaite une seconde fois pour ceux qui ont vu ma première vidéo de 2022 sur ma chaîne principale. Bref, je vous souhaite le meilleur. Sinon, aujourd'hui, je vous ai trouvé des pépites. Des jeux mobiles, c'est des petites pépites. Je sais pas ce que j'ai avec les jeux mobiles, mais ils me font tellement rire que pour cette vidéo, je poursuis ma lancée. Oui, je vais me remettre à des jeux d'horreur. Arrêtez, c'est bon. Laissez-moi le temps, ok? Je me prépare psychologiquement. Bref, aujourd'hui, je vous ai trouvé des jeux. Attention, pour devenir populaire au lycée, ok? On va tout explorer. Popular Girls, le jeu mobile qui vous permet de devenir populaire, les filles. On se dépêche. Listen to the teacher, play a game. Attendez, nous on est populaire, ok? On n'a pas besoin d'un enseignement. Pourquoi? Pour diriger le monde? Mais non du tout, on play un jeu, nous. Waouh, c'était la bonne réponse apparemment. What the fuck? C'est quoi ce jeu encore? Qu'est-ce... Je comprends pas. Non mais attends, on me prend pour une débile ou quoi? Ah ouais, on me prend pour une débile. Non mais attendez, c'est chaud pour devenir populaire, je pensais pas qu'il fallait faire des trucs comme ça. Ah, j'ai raté. Ah, j'ai gagné. C'est quoi ce jeu pour devenir populaire? Mais attendez, je m'attendais pas à ça du tout. Je suis extrêmement déçue. Swipe to choose your friend. Faut que je choisisse mes amis. Mais attendez, je suis une fille populaire. Mais nous n'avons pas précisé si j'étais populaire du côté obscur ou du côté bienveillant de la force. Hein? Enfin bref. Donc du coup, je suis une bitch ou pas? J'aime bien cette fille. Je l'accepte dans mon clan. Swipe. Qu'est-ce que... On a besoin d'un Dobby avec nous. Viens avec nous. Mais qu'est-ce que c'est que cette dinde? Comment elle marche? Allez, on a besoin d'une dinde avec nous. Elle avait vraiment le déhanché d'une petite dinde. On aime beaucoup. Ah, elle m'a frappé ou quoi? Je suis à la cafétéria avec mes super copines. What do I want? Vegetarian food chicken. Est-ce que pour être populaire, on doit manger de la viande? Non, il faut qu'on soit végétarienne. Il faut qu'on prône des bonnes valeurs pour les animaux. Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais j'ai 5 ans, c'est pas possible. Ok, je suis populaire, je suis débile. Select one, milkshake, soda, tea. On va prendre un thé. Depuis quand ils font du thé en plus au lycée? On va prendre un thé quand même, c'est cool. Ils proposent un petit thé, ça va faire du bien pour mon transit. Hop. Mais attendez, c'est du thé ou du sang? J'y vais. Oh, je suis une jolie... Oh, you boyfriend. Cry and walk away. Je sais pas, qu'est-ce que je fais? Attendez, je vois mon petit ami. Il y a une fille qui l'a alpagué. Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne pleure pas, j'affronte. Eh, c'est mon mec. Don't touch my boyfriend. Ok? Voilà, c'est comme ça qu'il faut réagir, les filles. Voilà. Tiens, prends ça. Tu touches pas, mon mec. On se bat. What? Ah non, en fait, on fait l'amour. Comment ça se passe? On a des petits cœurs. On s'aime? Ah non, on ne s'aime pas. Non mais attends, je tabasse la fille ou quoi? Ok, je la tabasse. Je vais pas toucher à mon mec. Voilà, tu vas faire quoi maintenant? Vous avez compris? Don't touch my mec. Personne ne touche à mon mec, j'en ai pas actuellement. Mais si j'en avais un, personne n'y toucherait, ok? Ok, je suis à la maison, je suis rentrée, j'ai pas la même coupe, j'ai pas les mêmes vêtements, mais ce n'est pas grave. Ah, j'ai un puzzle de mon petit copain. Ah, du coup, notre fille populaire s'ennuie. Qu'allons-nous faire? Faire un TikTok ou enregistrer du coup une vidéo pour YouTube? Une fille populaire se doit de faire des TikTok. Ok, fille populaire. Qu'est-ce que... Mais non, mais ça, c'est pas un TikTok ou c'est déconseillé? C'est quoi que je fais? Il est bizarre ce TikTok-là, je vous le conseille pas. Ah, je me maquille, du coup, pour faire mon TikTok? Ah, c'est chiant de mettre du rouge à lèvres, putain. Je déborde. Ah, je suis une enfant de 5 ans. Mais qu'est-ce que fait? Mais attends, pourquoi elle se met du marqueur sur les sourcils? Mais qu'est-ce que... Effectivement, je me maquillais pour faire un TikTok. Waouh! Je fais ma meilleure danse. J'espère avoir beaucoup de likes. Du coup, maintenant, après avoir fait mon TikTok, je dois ranger mes chaussures. Et oui, car une fille populaire range toujours ses chaussures. Mais c'est pas possible, en fait. En fait, ce jeu, c'est genre pour ranger les affaires de quelqu'un d'autre, en fait. J'ai l'impression que je me fais un petit peu couillonner sur le fait d'être populaire. Ça va pas trop me servir, ça, non? Oh, intéressant! Nous avons une invitation pour aller à une fête. Let's go! Forcément, quand on est populaire, on se doit d'aller à une fête. C'est là où il se passe le plus de choses. Les ragots vont bon train. Oh, il faut que je m'habille, parce que là, je suis habillée pour... je sais pas où je vais, en fait. Habillé comme ça. Bien sûr, il nous faut la robe. Ou quoi, qu'un petit... Non, là, je vais faire du camping, là, non? Quoi? Pourquoi j'ai des oreilles de lapin? Mais attends, c'est costumé ou quoi? Vas-y, c'est pas grave. Je suis populaire. Je suis une lapine populaire. Ça y est, nous sommes à la partie. What put you let's show well how to dance? Don't feel like... Mais attendez, je suis populaire. J'aime que les regards soient sur moi. Donc, bien sûr que je vais faire ma meilleure danse. Je me suis entraînée aujourd'hui, en plus. On repassera pour l'entraînement, en fait. Terriblement déçu par ce jeu, je pensais pouvoir connaître les astuces pour devenir populaire, mais non, donc on va tester un autre jeu. Un autre jeu pour devenir populaire. Ma fille, we're moving to Onozo City next weekend. Ok, on doit déménager. Bon, d'accord. Non, je veux pas y aller ou sinon je... Burn this place? Quoi? Je veux pas y aller sinon, en fait, en gros, elle dit, ouais, je vais devoir me faire des nouveaux amis, j'ai trop la flemme et tout. Et ben on brûle tout! Burn! Ah! Bon, ok, j'ai peut-être exagéré ça. On va dire qu'elle a rêvé de ça. Oh, tu vas devoir te faire des nouveaux amis. Ouais, c'est trop la loose. Non, mais je comprends, hein, t'inquiète. Non, mais attends, mais c'est quoi cette démarche de dinde aussi? C'est quoi ce bordel?
Oula, attention, c'est le premier jour d'école et notre petite dinde. Oui, parce qu'elle avait vraiment une petite démarche de dinde. Elle roulait pas des fesses, les gars. C'était des attractions, elle faisait des loopings avec ses fesses. Tu peux pas faire ça, c'est une petite dinde qui court. Premier jour, ça commence mal. Une des filles nous intimide. Nous avons trouvé les bitches. Les bitches. Et ben, on va leur dire qu'on a pas peur d'elles. C'est bien ça, c'est ce que nous voulons. Tu les as ignorées comme il fallait. Meilleur des moves. Ah, nous avons déjà le beau gosse. Putain, il se passe beaucoup de choses dans sa vie, en fait. En premier jour, moi, jamais de la vie, ça m'est arrivé ça. Hey, Booty, I've never seen your before when I got out something. Le mec, il veut montrer quelque chose, mais j'ai un peu peur. Yes, but only if you show me. Ouais, on va. Eh, nous, on est une fille raisonnable. Avant d'aller faire des bêtises, montre-nous ma classe. Mais je marche vraiment comme une petite poule, une dinde. Regardez, elle dandine ses fesses, quoi. T'as des vers dans le cul en vrai. What are you with him? Oh là. Du coup, forcément, les bitches se posent des questions. Elle me voit avec un garçon. Donc, forcément, on est ensemble. On peut pas juste, genre, être deux individus qui se parlent. Forcément, on couche ensemble. Donc, I guess we are. We will see. Je veux dire, we will see. Ok, il m'a montré ma classe. Il est cool, le mec. Oh putain, non, s'il vous plaît, pas ça. Alors, 6 plus 2 fois 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait 10, monsieur. Non, mais attends. J'en peux plus de cette poule qui... Oh ! Non mais attendez, je me fais agresser ! Non mais... Vous avez vu le regard... Mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Vous avez vu le regard de la bitch ? Elle va décéder, mais je reste impassible. Je t'ai sous-estimé. J'espère que ça t'aidera à comprendre. Donc en gros, elle l'a agressé physiquement. Et moi, je dis stop ! Si tu me laisses partir, je t'inviterai à ma prochaine fête ! Ou je te donnerai tout mon argent. Et je peux pas me battre ? Ou genre la menacer du dire « Fais gaffe ». Je me dandine peut-être comme une dinde, mais je pique comme un vélociraptor. Oui, parce que les oiseaux sont des descendants des dinosaures, ok. Je serais la pire meuf. If you let me go, bah du coup, je t'invite à ma partie, je te donnerai... je lui donnerai tout mon argent, j'ai pas... Elle donne lui mon... Mais qu'est-ce qu'elles font? On dirait vraiment des dinosaures qui sont en train de se battre avec leurs petites pattes atrophiées, là, mais c'est pas possible. Ok, donc du coup, je me suis trompée, faut que je l'invite à ma partie. Bon, bah d'accord. Je t'invite à ma fête. Mais j'ai pas organisé de fête, en fait. Nous avons une bonne idée. C'est mon premier jour, d'où j'ai organisé une fête, quoi. Journée de merde. Hein. Bah oui, du coup, faut que j'invite des gens. Choose people, bah on va choisir des gens, hein. Yes, on l'invite, elle. Non, t'es pas belle. J'ai pas écouté, on est sous menace, ok. Je choisis des bonnes meufs, des meufs qui s'habillent pas, ok. Mais attendez, on a invité que deux personnes à notre fête. Ça va pas du tout, là, on a que deux personnes. Je suis en sûre, là, je vais me faire taper, vous vous rendez pas compte. Bon, je m'en vais, toujours fière. Oh, je retrouve le beau gosse. Bah, je vais dire salut. Ah, si je lui dis salut, j'ai une pub. Nique ta mère. Ah, super, il vient à ma fête ce soir. Nice, on sera 3, 4. On me content. Ah non, 5, 6, 7 avec les poufs. Super. Je vais, je ne demande même pas à mon père, je m'habille pour la soirée. Jolie tenue. C'est parti pour ma soirée, youhou. Ouais, mon beau gosse, what's up girl? Bah, dis-moi bonjour, attends, s'il te plaît, il est parti. C'est le bal des poulettes, j'en peux plus. Ah ouais, on a plus à boire. Ok, bah je cherchais des bouteilles, hein. J'ai pas le choix. C'est bon, tu peux encore picoler. You are the best, merci. Be cool, wait. Go upstairs. Attends, j'ai pas l'air cool, j'ai pas tout suivi, mais ça a pas l'air cool ce qui se passe. Go upstairs. Attends, ça va pas, j'ai vu mon nouveau mec, ça veut dire monter avec une meuf. Attends, j'ai pas tout compris là. Attends, faut qu'on découvre la vérité, qu'est-ce que je viens de voir? What the fuck is going on? I can explain. Quoi? Punch him off the face. Ah mais direct, je prends la pub, moi rien à faire, je veux le taper. On n'est pas ensemble, mais t'as pas à faire ça chez moi. Je suis une psychopathe, ok? J'imaginais qu'on était ensemble. En fait, à partir du moment où j'imagine qu'on est ensemble, on est ensemble, tu comprends? Ah merde, il y a les poubelles qui passent. Ah, ce que vous entendez, c'est les poubelles qui passent. C'est magnifique. C'est pas grave. Même avec les poubelles qui passent, je vais continuer. Tiens, prends ça. Mais attends, qu'est-ce que c'est? C'était quoi ça? Mais qu'est-ce... Punais, je suis à Poudlard ou quoi là? Regardez. Avacadabra. J'en peux plus. La fête est finie ou je rentre? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe trop de choses. J'ai décidé que j'étais une reine maintenant. Ok, I don't care. Bah en fait, non, je suis pas du tout une reine. Je me suis assise à côté d'une meuf. Parce que j'avais trop peur d'elle. J'ai entendu ce qui s'est passé à propos d'hier. Let's take a revenge. Mais attends, je dois... C'est pas mon mec, je vais pas me venger. Comment? C'est mal, le camion. Eh, le camion poubelle, je vais me le faire. Eh, vous me connaissez pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Il y a des gens, ils travaillent là. Il y a des gens, ils essayent de devenir populaire et avoir un mec. Non, c'est pas possible. Mon travail, il est pas compris en fait. Je suis pas comprise quoi. Du coup, je vais me venger d'un mec avec qui je ne sortais pas. Tout va bien, je suis une vraie psychopathe. Oh, you do like. Alors, comment tu voudrais te venger? Alors, lancer un truc et courir, cover with the toilette. Vas-y, flemme d'avoir une pub, je vais mettre ça. C'était ridicule. Très ridicule. Là, à l'heure actuelle, j'ai envie de finir sous une voiture. Là, j'aimerais être sur l'autoroute en train de jouer. Aux billes. Vraiment, je mérite que ça, là. Parce que c'était ridicule ce que je viens de faire. Allez, on court. C'était trop fou ce qu'on a fait. Ah, il a pas été content. En fait, il se passe trop de choses, ça me fume. Le mec, il s'est mis à pleurer. Là, il y a un autre mec qui arrive. On vient de pranker quelqu'un. C'était très drôle. On est débile. Chem. Ah. C'était peut-être pas ce que je devais dire. Alors, ce qu'on a compris avec ce jeu pour être populaire, c'est qu'il faut qu'on ait une petite démarche de dinde fière, ok? On roule bien des fesses. Vos fesses sont dans une attraction et vous vous baladez comme ça. Mon dieu, jeu suivant! Cette fois-ci, c'est pas spécialement un jeu pour être populaire, c'est je crois la vie d'une...
Candale Simulator. Ah ok, d'accord, donc nous avons... Avec des pubs au-dessus, parce que bien sûr, le jeu n'est pas gratuit. Mais attends, non mais genre... Oh, le scandale, attendez, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Yandale Simulator. Bah, le Mont Fuji, il a changé le Mont Fuji. Ah, je suis choquée. On retrouve des vieilles copines. Il aurait pu quand même changer un peu le design des filles. Faudrait que je retourne sur Yandale Simulator, ça m'a donné envie d'y retourner quand même. Je peux pas enlever les annonces de jeu, je suis dégoûtée. Bon, vas-y, c'est quoi? Salut les filles, comment vas-tu? C'est les filles, elles sont plusieurs. Pourquoi tu dis comment vas-tu? Ok. Bien, nous attendions que vous. Faites vite, vous deux, nous arrivons en retard pour le quiz de physique. Quel quiz? Je n'en ai aucune idée. Es-tu sérieux? Je vous ai parlé du quiz du vendredi. Tu ne te souviens vraiment pas de ça? Ne paniquez pas, nous vous aiderons tous les deux à réussir le quiz. C'est à ça que ça sert, les amis. Belle morale de l'histoire. Oui, maintenant, nous devrions nous diriger vers la salle de classe. Ok, super, j'ai des copines. Bon, apparemment, je vais pas les tuer pour une histoire de mec, donc ça me rassure. C'est ma prof ou la meuf qui veut mettre fin au monde avec un plan diabolique à base de corbeaux? Attends, il y avait marqué « N'oubliez pas de tricher » ou « Et n'oubliez pas de ne pas tricher ». Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Appuyez maintenant pour tricher. Putain, bah, c'est un robot, je le savais, hein. Elle avait rien d'humaine. Hein. Je suis en train de tricher, mais dans le plus grand des calmes. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je triche, personne ne dit rien, même les meufs, elles sont là. Bon, bah tant pis, elles trichent sur moi. Mais je peux vraiment tricher partout, ça n'a aucun sens. Mais attends, je suis vraiment un cancre. Allez, on va tricher sur le mec du premier. Parce qu'apparemment, elle est tellement débile, ma prof. De toute façon, plus c'est gros et plus ça passe, apparemment. Bon, bah j'ai triché, je suis très fière de moi. Tout va bien. Vous avez compris, les gars, la morale de l'histoire, tricher. Mais de façon grossière, voilà. Vous allez vraiment au bureau du professeur regarder ce qu'ont mis les premiers de la classe, tu vois. Quel est le problème avec toi, you won. Oh putain, je suis nulle en accent. Ce jeu, what? Regardez, il a été noté. C'est pratiquement 5 étoiles et plus de 5000 votants. Mais où va le monde? Diancre, on en a appris des choses. Utile? Non, c'est ça le problème. Bah, j'espère que vous avez passé un bon moment, les amis. On se retrouve très vite sur cette chaîne secondaire. Vas-y, la prochaine fois, c'est un jeu d'horreur. Promis, on fait un jeu d'horreur la prochaine fois. C'est un au revoir. Salut!